Ça, c'est une version Minecraft secrète auquel personne n'aurait jamais joué. La version test 1.20. Une version cachée de Minecraft qui aurait été développée par un certain Aaron Niemnen. Bon, au début, j'étais sceptique. Mais en effet, c'est bel et bien un développeur de chez Mojang. Et pas n'importe qui d'ailleurs. C'est lui le développeur initial de la version Pocket Edition de Minecraft. Pour vous dire, ça date de avant même que Jeb arrive chez Mojang. Sauf que cette version, elle est censée être extrêmement flippante et remplie de détails inquiétants. Je vais investiguer ça et plein d'autres mythes supposément extrêmement flippants de Minecraft. Sur internet, il y a plein de vidéos putaclic sur les mythes flippants de Minecraft, mais aujourd'hui je vais tester ce qui me semble être le plus plausible. Bon, pendant que mon antivirus est en train de checker la version de Minecraft dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, non parce que spoiler, elle est absolument pas téléchargeable depuis le launcher de base. J'étais obligé de la télécharger via un site russe extrêmement suspect, je prends mes précautions comme on dit. Pendant ce temps, il y a une autre théorie que j'ai envie de tester. Les bruitages des Enderman seraient apparemment des phrases anglaises qui auraient été modifiées à la suite par un logiciel audio. J'ai déjà entendu cette théorie et je suis quasiment certain qu'elle est vraie. J'ai enregistré tous les bruitages d'Enderman juste ici. Je les ai mis dans mon logiciel de montage, j'ai inversé l'audio et bingo, écoutez. En gros, dans cet audio, l'Enderman nous remercie. Ok, ça explique à la limite un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait le jeu. Mais là où ça devient intéressant, c'est que sur internet, il y a des théories qui disent que l'Enderman dirait « tuez-moi » quand il s'énerve. Moi, personnellement, quand j'écoute ce passage-là, j'entends l'Enderman dire « help me ». Aidez-moi. Et c'est là qu'on rentre profondément dans l'iceberg des théories. Sur Minecraft, vous êtes seul. Ou presque. Qui aurait construit les mineshafts? Ou les temples du désert? C'est peut-être les villageois? Mais ils sont un peu teubés. En réalité, ce serait une civilisation ancienne qui aurait construit toutes ces structures. Ils auraient fini par trouver une technologie qui leur permettait de voyager dans une autre dimension. L'End. Sauf qu'une fois à l'intérieur, ils se sont retrouvés face à face à l'Under Dragon. Mais eux, ils étaient pas prêts. Sauf que sans tuer l'Under Dragon, c'est impossible de sortir en vie de l'End. Du coup, spoiler, cette civilisation qui se retrouve coincée dans l'End, elle s'est retrouvée petit à petit à court de nourriture. Du coup, ils se sont retrouvés obligés de manger ce qu'ils trouvaient. Et spoiler, qu'est-ce qu'on trouve dans l'End? Des chorus fruits, qui, comme par hasard, ont la compétence de vous téléporter quand vous les mangez. Ce nouveau régime alimentaire pas très équilibré aurait petit à petit transformé notre ancienne civilisation en Enderman. En vrai, je kiffe cette théorie, elle se tient super bien. Elle est un petit peu flippante comme on aime, mais il y a de grandes chances que ce soit juste Mojang qui avait la flemme de payer quelqu'un pour faire les bruitages et ils ont pris le premier random qui venait. Mais du coup, la question c'est, qui a fait les bruits d'Enderman? Depuis toujours sur Minecraft, il y a des théories par rapport aux CD de musique. Il y a beaucoup de disques sur Minecraft, mais il y en a qui ont fait plus de bruit que d'autres. Ouais, sans jeu de mots. Il y a 3 CD qui ont une réputation mystérieuse. C'est les 3 CD qui ont un chiffre en guise de nom. Le 3, le 5 et le 11. Il y a un mythe qui est extrêmement perturbant. On va compter jusqu'à 13. À 5 secondes, on va mettre ce CD. À 11 secondes, on va mettre celui-là. Et à 13 secondes, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, c'est intéressant. Ici, il y a un mec un peu plus déter que moi qui a fait ça avec un système de redstone. Si on fait bien attention à l'audio, ça crée une histoire qui est presque cohérente. Voilà, au début, le CD démarre. Des petits bruits flippants. On a quelqu'un qui court avec un bruit de souffle. Un bruit de flint and steel comme si un portail était allumé. Il y a des petits bruits de gaz en fond. C'est un petit peu comme si quelqu'un essayait de fuir quelque chose. Avec des bruits quand même assez gênants. Un espèce de gros monstre métallique qui arrive derrière. Et qui fait des tout sautements bien flippants. Voilà, bref, suivant mon avis, ce truc-là est le point le plus flippant de tout Minecraft. Vanilla, en tout cas. Le disque 5 a été rajouté dans la même version que le Warden. Est-ce que ça a un rapport? À mon avis, clairement, oui. Mais c'est pas le seul truc flippant avec ces CD. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un spectrogramme? Très vulgairement, c'est un moyen de voir le son. Ça, par exemple, c'est le spectrogramme de On m'appelle Fuse 3. Oui, parfois, on apprend des choses que personne n'a demandé. On m'appelle Fuse 3. Et bah justement, dans le spectrogramme du disque 11, il y aurait apparemment une image qui serait cachée à l'intérieur. Je vais glisser déposer le fichier juste ici. On va voir si en regardant en détail, il y a oui ou non un dessin qui serait caché à l'intérieur de ce spectrogramme. Bon, forcément, vous attendez pas à avoir une image 4K, hein. Ok, il faut arriver à la fin du fichier audio pour peut-être voir quelque chose. Je dis ça parce que, selon Internet, ce que vous voyez de là, c'est censé être, selon les conspirationnistes d'Internet, c'est censé être la tête de Steve. Bon, autant j'aimerais bien que l'histoire soit vraie, que Mojang ait caché de véritables images dans les sons du jeu, mais pour moi et pour pas mal d'utilisateurs d'Internet, ça semble être une coïncidence. Mais par contre, vous connaissez forcément tous ce bruit de cave qui est horrible.
Il paraît que la raison pour laquelle le son est aussi dégueu sur ce bruitage, c'est parce qu'apparemment, elle, si on la met dans un spectrogramme, voilà, regardez, on a une jolie petite tête de creep. Ah là, par contre, là, c'est assez impressionnant. Ça n'a vraiment rien à voir avec la tête de Steve de juste avant. J'avais jamais fait le rapprochement avec ça, mais c'est pour ça que le bruit paraît vraiment bizarre. Ok, il y a un dernier mythe flippant en rapport avec les CD. Un certain Jukebox Head. Ce serait un mob relativement flippant qui apparaîtrait quand on construirait des jukebox en forme de croix sur son monde Minecraft. On va les remplir avec les CD de musique dans l'ordre. Et normalement, il est censé spawner. Bon, là, le seul truc qui me fait flipper, c'est est-ce que j'aurai encore de l'audition après hein. Bon, évidemment, je pense que s'il y avait un easter egg aussi gros que ça dans Minecraft, on serait tous au courant. Mais j'ai trouvé une map qui apparemment rajoute ce fameux Jukebox Head. Bon, écoutez, ça vaut ce que ça vaut, on va regarder. Alors là, du coup, j'ai eu des clés à molette pour réparer un vélo. Ok, il faut que je trouve 4 trucs de fuel. Wesh. Wesh. Ok, j'avoue, il est très très flippant. Ok. Là, je compte. Non. Et ok, il faut que je cours. Bon, ça ressemble très clairement au bon vieux Siren Head. Et au niveau du gameplay de la map, c'est exactement le même concept que Slenderman. Est-ce qu'on le buterait pas avec notre clé à molette? Surtout que j'ai le skin de Batman. S'il y a bien une personne qui peut le faire, c'est moi. Tiens, prends ça, Jukebox Head. Nice. J'espère que mon antivirus a bien travaillé. Abonnez-vous avant que je me fasse hacker ma chaîne, du coup, je suppose. Minecraft 1.20 version test. Au début, je pensais que c'était une référence à la version Alpha 1.20 qui est sortie genre en 2010. Sauf que je vais lancer le jeu et vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. Copyright 2020. Mojang, attention aux développeurs. Ce package est en bêta test pour le jeu. La version 1.20 n'est pas encore disponible. Il peut y avoir des bugs et de la génération du monde un peu bizarre. Bon, là, on dirait pas comme ça, mais c'est très étrange. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur test? Ok, il y a un fondu. Ok. Ok, ouais, non, clairement, c'est pas une version normale de Minecraft. Il y a des textures qui sont buggées. Il y a globalement, en fait, en réalité, même tout qui est buggé. Oh, c'est vraiment chelou. Est-ce que je peux casser des blocs par hasard? Non, je peux pas casser de blocs. J'ai appuyé sur la touche 9 et je tombe sur cette carte extrêmement étrange. Je sais pas du tout ce qu'elle est censée représenter. Comment est-ce qu'on quitte ce truc? Attends, je vais être obligé de faire Alt F4, sérieusement. Ok, j'ai relancé le jeu. Bon, il paraît que si je joue pendant suffisamment longtemps, il se passe quelque chose. Objectivement, c'est pas comme si le jeu était fun, hein. Y a rien à faire et... Hop. Ok, il y a des bruits bizarres. Bon, spoiler, j'ai attendu longtemps et il s'est pas passé grand-chose. Il y a même un moment où je me suis à moitié endormi sur mon micro. Ah si, oui, je suis tombé sur un espèce de truc avec une texture d'os trop bizarre. C'est bizarre. Bon, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'étais immobile. J'ai refait 10 minutes de gameplay sur ce jeu où il y a littéralement rien. Bon, bah, je pense que finalement, le fait que ce jeu soit flippant est un scam. Même si c'est une version très très peu connue, il y a quand même quelques gameplays sur Internet qui montrent ce qui est censé se passer. Là, le joueur est tranquillement en train de se balader quand soudain... Ouais, y a un bruit très bizarre. Et il y a Herobrine qui se ramène en plein milieu et le jeu crash. Cette version est décidément un mystère, aucune information est sur internet. Mais c'est pas le seul truc bizarre que Mojang nous cache. Pour comprendre le prochain mythe, il faut revenir en 2012. C'est à cette époque-là que la première vraie Minecon a eu lieu. La façon dont marche Minecraft quand vous le téléchargez, c'est que vous passez par le launcher, mais en réalité, vous êtes en train d'accéder à un serveur. Et dans le cas de Minecraft, à l'époque, ce serveur, c'était assets.minecraft.net. Sur ce serveur, vous retrouviez tous les fichiers qui servent à faire fonctionner Minecraft. Sauf un fichier qui n'avait rien à faire là parce qu'il sert pas à faire fonctionner le jeu. ToMinecon.7z. Bon, comme son nom l'indique, ça a peut-être à voir avec la Minecon. Le fichier est juste ici, et si on essaye de l'ouvrir, on se rend compte que ça nous demande un mot de passe. Depuis le temps, le fichier a été supprimé des serveurs, et Mojang a admis que c'était une erreur et qu'il aurait jamais dû se trouver ici. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Évidemment, on est sur un forum, et des utilisateurs ont commencé à essayer de craquer le mot de passe. Et là, mauvaise nouvelle, personne n'a rien trouvé. Enfin, à part ce gars, un joueur du nom de Arcus, qui aurait apparemment trouvé le mot de passe. Arcus a récupéré le mot de passe. À l'intérieur, il y a des informations sérieuses et vitales qui seraient vraiment mauvaises si c'était leaké. Ça devrait être retiré immédiatement. Ok, mais alors du coup, qu'est-ce qui se trouve dans ce fameux fichier? Des informations top secrètes de Mojang? Des trucs qu'on n'est pas censé savoir? Ou même pire? Et bah moi, je vais vous dire ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Parce que le mot de passe, il a fini par être trouvé. Bon, j'ai le mot de passe et en réalité, il est vraiment éclaté. C'est The Pies Must Flow. Je suis pas 100% sûr d'avoir légalement le droit d'avoir accès à ce fichier. Parce que techniquement, c'est quand même avoir brute forcé le mot de passe de quelqu'un. On va quand même cliquer sur OK et regarder le contenu. On a un fichier avec marqué data et un fichier avec marqué secret.mp4. Bon, spoiler, dans le fichier data, il y a que dalle. Mais dans la vidéo, il doit y avoir probablement une dinguerie, non? Et bah, voilà le contenu de la vidéo. C'est littéralement un mème des années je sais pas combien. Avec un book qui mange des pastèques. Ou alors c'est un spoiler sur le fait qu'il allait avoir des pastèques dans Minecraft, je sais pas. Ça remet en perspective
perspective ce que disait la personne sur le forum, hein. Des informations vitales, j'en suis pas si sûr. Oui, je sais, vous devez être confus. Est-ce que depuis le début, ce fichier était censé être un troll? Eh ben non. En 2012, un employé de Mojang a bel et bien fait une grosse erreur en uploadant ce fichier sur les serveurs publics de Minecraft. Il devait en aucun cas être disponible aux gens, mais c'est ce qui s'est passé. En se rendant compte que des joueurs avaient identifié que ce fichier avait rien à faire là et essayé de craquer le mot de passe, plutôt que de simplement le supprimer et de pas en parler, Mojang a décidé de faire quelque chose de plutôt smart, on va pas se mentir. Ah oui, à cette époque-là, Mojang, ils avaient de la classe, ils avaient du fun. Oui, je leur tape dessus gratuitement, là, j'avoue, c'est un peu méchant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé le fichier initial par un autre fichier, histoire de brouiller les pistes. Ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a ce fichier data, là, c'était pour faire en sorte que les deux fichiers fassent exactement la même taille. Sinon, les gens s'en seraient plus facilement rendu compte. Récemment, le fichier original de tout Minecon a refait surface. Le seul truc, c'est que pour l'instant, en 7 mois, personne n'a réussi à le craquer. C'est-à-dire que même si dans ce fichier, la théorie, c'est qu'il y a une version de Minecraft expérimentale de la 1.0 ou quelque chose comme ça, il y a toujours une petite possibilité pour qu'il y ait une véritable dinguerie à l'intérieur. Quelque chose de bien flippant sa mère. Encore aujourd'hui, des gens se sont réunis et essayent de craquer le mot de passe, mais ça peut prendre des années. J'espère que ces histoires à moitié flippantes et à moitié intrigantes de Minecraft vous auront plu. Si vous voulez un deuxième épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu, l'abonnement, l'archive extrêmement bizarre sur les serveurs de Mojang. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.